prévu sur Eternal, le dernier jour de juillet 2017. Morceau de rêve de fou hier et encore ce matin. C'est trop bon les vrais songes. C'est mieux que la télé. La pollution électromagnétique. Ça t'empêche de perdre. Bref, c'était l'histoire des trains. Hier, j'ai vu le quatrième train. En fait, il y avait un petit problème à la gare Montparnasse. Et là, c'est comme si je m'étais pris un TGV de face. Il y a 3 ans, j'avais fait le rêve des 3 trains. C'était un truc de fou. Parce que là, le premier train, il est à vapeur, c'est tout en noir et blanc. Et il se vautre dans un grand pré, près des abîmes. Grand pré vert comme ça, et si je passe le pont, c'est abyssal, ça cale. Ça cale. Luc Besson et Spielberg, c'est des périodes. Bon. Et votre, c'est comme si les esprits restent en suspens, tu vois. Mais ils n'ont pas prévenu les générations d'après. Ça le pont. Et le deuxième train, bah, il a diesel. Et pareil, il se vautre. Oui. Et là, il aimait de la génération d'après, c'est du cinéma de tout, des machines, quoi. Tu vois. Un truc de fou. Et là, pareil. Il se parle et tout, je sais pas, t'as Fernandel, t'as Bourville, t'as qui tu veux, t'as Charlie Chaplin, t'as qui tu veux. Et là, ça commence à être en couleur, c'est à partir de 70. Un peu avant, mais pas plus. Et ils sont là, ils discutent, merde, on les a pas prévenus, on a pas prévenus. Pour pouvoir, il y a des enculés, maçonnique sa mère, là. Bon, et paf, je sais pas, 20 ans après, paf, il arrive l'autre train. Celui-là, il est électrique. Comme ça. Et pareil, il se vautre. Là, il se conserve, c'est comme les 3 époques, les 3 esprits d'intervalle. En suspension dans l'espace-temps, on va dire. Et sur la merde, on n'a toujours pas prévu, putain. On n'a toujours pas prévu, comme ça. Bon, d'accord. Mais hier, c'était le quatrième train du 4-1. En fait, c'était comme un peu dans la montagne, parce que c'était bien vert. Et on essayait d'allumer le barbecue spatio-temporel. Et puis, c'est comme s'il y avait, je sais pas, les gendarmes. Je sais pas. Enfin, on va dire que la rivière, d'un coup, elle a éteint le feu, pas de barbecue. Comme à la plage, une fois. Monsieur l'agent, petite merguez. Non, éteins ça tout de suite. Moi, je me suis fou éteindre. On n'a pas pu faire comme au merguez. En fait, tout ça, c'est pour dire que c'est comme les banques, tu vois, à des prélèvements. Pour les ordures qui nous gouvernent. De temps en temps, ils prélèvent. C'est pour la noosphère. Puis l'esprit ne meurt jamais. La viande, elle meurt. Ton corps, ton enveloppe charnelle. Mais l'esprit, il meurt pas. Et j'ai une putain de grande famille d'esprits. Tu croirais même pas.